Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Je disais que on s'entend tous sur le fait qu'on vote non. On a même fait une réunion avant de rentrer dans la salle. Et on fait le dépouillement. Assez curieusement, on a donc 89 oui, 1 abstention et 1 contre. Je peux vous dire que le premier qui ressent un coup de massue, c'est moi. Parce que ben, nous avons promis 3 contre et on a 1 contre et 1 abstention. Je me suis retrouvé avec mes députés, les 3. Les 3 m'ont juré qu'ils ont voté contre. Certains même m'ont montré des preuves de leur vote. Et je les crois. Maintenant, comment se fait-il qu'un vote qui se fait dans une urne transparente arrive depuis moi à autre chose? Je ne vais pas faire d'accusation parce que je ne veux pas qu'on me passe pour un mauvais perdant, pour ainsi de suite. Avant de vous laisser regarder la suite de la vidéo, j'aimerais vous demander humblement de vous abonner, liker et partager cette vidéo maximum, les gars. Vous avez bien écouté. Directement, et ces députés ont voté non. Et à leur grande surprise, au dépouillement, ils ont vu qu'un seul non. Et il a aussi confirmé les votes par procuration. Comment est-ce qu'on peut voter non? Et au dépouillement, on trouve oui. Et il a dit, ces députés ont montré des preuves physiques. Les gars, c'est une vidéo qui est vraiment intéressante. Je vous demande humblement de la partager. Voici la vidéo pour vous. Les gars, regardez la vidéo entière et vous saurez ce qui est vraiment le tout. L'introduction du texte à l'Assemblée nationale. Le texte a été annoncé, donc le texte de révision constitutionnelle a été annoncé le 28 décembre 2023 à la clôture de la session, de la dernière session de cette Assemblée. Moi, comme vous le savez, j'ai été blessé, donc je n'étais pas à l'Assemblée, mais j'ai appris, je suis allé pour dire, ben, il s'agit d'une, on parle d'une révision constitutionnelle. Quel est le projet qui a introduit? Nous avons été dans le vide bleu complet, donc jusqu'au 12 mars, où moi, je fais partie de la commission des lois, dont nous avons été appelés au niveau de la commission des lois, on est 9 membres de la commission des lois, pour découvrir le texte. En temps normal, le texte, on nous le soumet avant de venir au débat en commission des lois, mais là, on l'a découvert sur le papier. Et donc, c'est le jour-là qu'on découvre que oui, c'est un projet introduit par un certain nombre de députés, un cinquième, que, comment on appelle ça, il s'agit d'une nouvelle république, il ne s'agirait pas d'une révision constitutionnelle comme on le pensait, il s'agit d'une nouvelle république. Il s'agit d'un régime parlementaire, donc régime parlementaire, 5e République. Donc là, on le découvre comme ça. On a fait, sans forcément rentrer dans les détails, on a fait 3 séances en études, souvent c'est une séance, on a fait 3 séances en études. Moi, j'avais 3 positions dès le départ. Ce n'était pas le moment. On a fait une constitution en 2019 qui satisfaisait plus ou moins tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on faisait une constitution en ce moment? Premier élément. Deuxième moment, élément, est-ce qu'on passerait par voie référendaire? Parce que chaque fois qu'on a fait une nouvelle république, on est passé par voie référendaire. Troisième question, est-ce que nous, députés qui avions fini notre mandat, étions légitimes pour le faire? Pourquoi ne pas attendre que la prochaine Assemblée nationale le fasse? À ces 3 questions, on m'a répondu, bah, écoutez, l'article 144 dit que les députés peuvent faire la modification constitutionnelle. Ensuite, on n'est pas obligé de passer par voie référendaire. Ensuite, pour la question de voir si nous étions toujours légitimes. Oui, l'article 52 dit que les députés restent en place jusqu'au remplacement, jusqu'à la prise de poste de leur fonction. Donc, nous sommes légitimes. Voilà ce que on m'a dit. Et donc, on a fait l'étude. Je peux vous dire que j'ai été peut-être celui qui a bloqué beaucoup les travaux là-bas parce que j'étais vraiment sérieux. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que finalement, la procédure parlementaire veut que, une fois que la commission a fait l'étude, la commission vote. Au moment où nous votions, les gens qui ont proposé le texte disaient qu'ils avaient encore énormément de propositions à faire. J'ai voté abstention lors de ce truc-là en disant, je veux voir la mouture finale qu'on nous a jamais présentée.
Ensuite, nous sommes arrivés au vote. Donc, j'aborde le deuxième sujet. Le matin de ce 25 mars, j'ai fait une publication sur ma page. Bon, les amis qui font, on sait que tu es pour unir ainsi de suite. Ben, écoutez, si vous ne voulez pas que, si vous voulez qu'on puisse faire un bon débat, je pense qu'il y a des commentaires que vous pouvez garder. Moi, ça me gêne pas, mais je pense que vous pouvez attendre au moins ces commentaires-là pour la fin. Donc, je reviens à mon truc. On revient le jour du vote. Le jour du vote, vous avez suivi mon communiqué. J'ai dit, le net ne votera pas pour ce texte, pour les trois raisons que j'ai invoquées. Il faut une large consultation. Pour moi, c'est que il faut que le maximum de Togolais se prononcent sur la nécessité d'une nouvelle constitution. Premier élément. Deuxième élément, c'est de voir si les gens sont au courant de la constitution qu'on propose. Deuxième élément. Donc, si on veut proposer une constitution, ben, il faut que les gens disent, OK, ben, écoutez, la nouvelle constitution qu'on propose, elle nous intéresse. Donc, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, ben, il faut qu'on passe par voie référendaire. On ne peut pas se permettre d'aller à une nouvelle constitution sans passer par voie référendaire. Donc, pour ces trois raisons, je vais demander à mes députés de voter contre. Bon, je ne vous apprends pas comment se fait une élection au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on s'est retrouvé au vote. Avant qu'on arrive au vote, j'ai retrouvé encore tous mes députés. Et donnez-moi 2 secondes, je vais mettre le chargeur parce que, ben, en fait, ma batterie n'est pas suffisamment chargée et puis, j'ai pas envie que ça coupe. On va dire que l'honorable a fui le débat. Donc, je vais mettre juste mon chargeur pour que vous puissiez, que ça ne coupe pas pendant le live. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais y aller. Voilà. Ça y est. C'est bon. Je pense que, à partir de là, le live peut continuer. Donc, je disais que, on s'entend tous sur le fait qu'on vote non. On a même fait une réunion avant de rentrer dans la salle. Et on fait le dépouillement. Assez curieusement, on a donc 89 oui, 1 abstention et 1 contre. Je peux vous dire que le premier qui ressent un coup de massue, c'est moi. Parce que ben, nous avons promis 3 contre et on a 1 contre et 1 abstention. Je me suis retrouvé avec mes députés, les trois. Les trois m'ont juré qu'ils ont voté contre. Certains même m'ont montré des preuves de leur vote. Et je les crois. Maintenant, comment se fait-il qu'un vote qui se fait dans une urne transparente arrive depuis moi à autre chose? Je ne vais pas faire d'accusation parce que je ne veux pas qu'on me passe pour un mauvais perdant, pour ainsi de suite. Mais je continue à croire à mes députés. Il y a, vous avez suivi Ferdinand Ité qui a fait des révélations, je ne veux pas rentrer dans la chasse aux sorcières, mais je crois que mes députés, comme beaucoup d'autres personnes, je ne veux pas rentrer dans ces détails aussi, qui ont dit, ben écoutez, voilà, nous avons voté contre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons au minimum un contre. Il y a un leader politique qui a appelé à voter contre. Nous avons une abstention et un éventuellement donc vote pour. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que je sais, c'est que notre position n'a pas varié du premier jour jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle. Et nous ne faisons pas du jeu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que nous revenons, nous sommes rentrés vers 2h du matin. Je me suis couché parce que j'ai passé une nuit très, très compliquée. Je me suis couché vers 5h du matin. Et vers 9h, je sors, je découvre que un de mes conseillers est en train de faire, je vais pas donner son nom, est en train de publier partout que, ben, comme ça, nous avons vendu le vote et que par conséquent, lui quitte le parti et nous sommes des traîtres, ainsi de suite. Je n'ai pas l'habitude de rentrer dans les caniveaux. Je pars du principe que beaucoup d'entre vous qui êtes là me connaissent assez. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce schéma. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. En une journée, je suis devenu la personne que vous aimiez, hein, qui était le gars qui vous apportait les informations de l'Assemblée, qui avait des positions courageuses, qui osait souvent dire non. Ben, je suis devenu la bête à battre. Au fait, on a même oublié les 88 qui ont voté pour, et l'homme qui était mauvais, c'était moi. Mais il y a une question qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'un conseiller d'un parti politique peut dire qu'il démissionne sans avoir jamais rencontré son président, sans avoir rencontré le bureau pour exposer sa position? Et c'est ce conseil-là qui fait le tour des réseaux sociaux à vilipender celui qui était son président hier. J'ai entendu les gens dire, ouais, mais tu as voté pour. Mais qu'est-ce que quelqu'un peut avoir comme preuve pour dire que moi, directement, j'ai voté pour?
Je pense qu'au moins s'il y avait zéro vote contre, à la limite on aurait pu dire ouais, mais il nous a blagué. Moi je continue à le dire, je crois au vote de mes deux députés. Je pense qu'ils ont voté contre. Et ils ont tellement été malheureux. Au fait, à la limite, j'ai été moins malheureux qu'eux. Parce que, insidieusement, on sous-entendait que c'est eux. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, oui, mais vos députés ne vont pas suivre. Je ne pense pas que ce soit ça. Il y a une petite magie qui s'est passée. Mais vous savez, comme d'habitude, on n'a pas été vigilant. C'est ça la réalité. On n'a pas été vigilant. On s'est fait avoir. Mais, on a une chance. Le texte, il passe à l'Assemblée. Ou bien, on verra si au vote prochain, on pourra douter encore du vote des députés du net ou pas. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. Il y a le texte qui revient à l'Assemblée nationale, ben c'est tout simple. Ben si on voit que ben voilà, on a refait la même chose, en ce moment-là, vous pouvez me lapider, vous pouvez me traiter de tous les noms, je serai d'accord. Mais pour le moment, je me permets de dire, bon, voilà. Maintenant, je vais prendre le troisième, parce que vous faites ce live-là, c'est beaucoup plus pour débattre, hein, c'est pas pour raconter ma vie. Donc, troisième point, qu'est-ce qui se passe après? Ben, on vote le texte, nous on continue à maintenir que nous sommes contre, et coup de théâtre, le chef de l'État, conformément à ce que lui permet la Constitution, demande une deuxième lecture. En fait, la deuxième lecture, c'est pour dire que nous, on avait raison. On avait raison de dire de ne pas voter ce texte. En réalité, si les gens faisaient une bonne lecture, ils allaient se rendre compte que ben, nous avons raison que ce texte-là n'était pas bon, qu'il fallait le retravailler, éventuellement s'il fallait le travailler. Donc, on renvoie le texte à l'Assemblée et avant même que l'Assemblée ne commence à saisir le texte, on reporte les élections. En disant que le bureau de l'Assemblée nationale n'a qu'à faire de grandes consultations. Aujourd'hui, à la limite, je me dis que tout le monde devrait reconnaître que, ben, Dieu merci d'ailleurs qu'on soit à l'Assemblée nationale parce que nous sommes le seul parti politique à avoir demandé, quel que soit ce qui s'est passé lors du vote, à avoir demandé à ne pas voter le texte. Et aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut retirer tout simplement ce texte, aller aux élections législatives et l'Assemblée nationale qui sera là, si elle juge la nécessité d'organiser un référendum, elle passe par les trois étapes dont j'ai parlé. Première étape, consulter toutes les couches de la population, les politiciens, les religieux, la société civile, les fonctionnaires, les étudiants, les jeunes, les vieux et le patronat, pour qu'on nous dise quel est le modèle de société qu'on veut avoir pour notre pays. Pour moi, c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'une constitution aurait été arrêtée, diffusée, ils ont commencé à le faire, mais je pense que c'est trop tard, diffusée, cette constitution au plus grand nombre, de telle façon que le maximum de personnes puissent aller plus tard voter le référendum. On ne peut pas aller à une 5e République sans passer par référendum. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pardon. Je suis peut-être jeune en politique, mais je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la première partie. J'ai accepté déjà deux personnes, je vais accepter peut-être pour que ça ne sature pas. Il ne sait pas comment faire sortir les gens. Donc, pour que ça ne sature pas, ok, j'ai vu comment faire sortir les gens. Donc, je vais accepter 5 premières personnes, je vois 15 personnes qui ont demandé. Je vais accepter 5 personnes. Après, je les sortirai bien, ils peuvent avoir la gentillesse de sortir pour qu'on prenne d'autres personnes. Et je pourrai aussi répondre aux questions qui arrivent au fur et à mesure sur le tableau. Voilà, je ne sais pas si je peux. Je vais accepter encore 5 personnes. Et puis après je répondrai à ces 5 personnes. Après, je leur demanderai de sortir et puis bon, ben, prendre d'autres personnes. Donc, je voudrais d'abord savoir, puisque depuis que cette histoire est arrivée, beaucoup disent, d'aucuns disent que les députés ont fini leur mandat, ils ne sont plus habilités à prendre des décisions du pire de ce genre. Moi, je voudrais savoir, vous qui êtes encore dans cette législature, qui êtes encore député, de façon claire, nous savons ce que la loi dit, mais est-ce que actuellement, les députés qui sont là, on peut dire qu'ils ont le plein droit, ils ont toute leur légitimité, vu que leur mandat est fini depuis le 31, aux yeux de la loi? Aux yeux de la loi, oui, malheureusement, parce qu'au fait, l'article 52 n'est pas précis. C'est que les gens utilisent les artifices de l'article 52. Au fait, l'article 52 dit les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction de leur successeur. Et donc, comme on dit les députés restent en place, ben, on ne précise pas, contrairement à ce que l'article 144 dit, que les gens ne peuvent pas prendre des décisions pendant, la constitution ne peut pas être modifiée pendant l'intérim, mais on ne précise pas que quand les députés restent en place, ils assurent un intérim. C'est-à-dire que si on avait dit que les députés restent en place pour assurer un intérim, en ce moment-là, aujourd'hui, on serait bien fondé de dire que les députés ne peuvent pas modifier la Constitution.
En réalité, c'est que les gens utilisent les failles. Et on utilise aussi ce qu'on appelle la jurisprudence. Vous savez, en 2012, en 2018, les députés étaient restés en poste, même ceux qui sont plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avaient voté des lois. L'Assemblée nationale finissait en 2012. Ils ont continué jusqu'en juillet 2013. Donc les gens utilisent un peu cette faille-là pour dire oui, les députés, à la fin de leur mandat, peuvent continuer à légiférer. Et si vous regardez bien, je pense que ça m'a été exprès de légiférer en mois de janvier sur le nombre de députés pour dire, ben écoutez, vous pouvez pas contester que les députés peuvent légiférer puisque les députés ont pris une loi en janvier et c'est cette loi-là qui fixe le nombre de députés. Et quand vous tous vous présentez des candidats, c'est que vous légitimez indirectement ces députés-là parce que vous agissez sur une loi qu'ils ont mise en place. Pour moi, je pense qu'il faut corriger ceci pour préciser dans l'article 52 que les députés qui restent en place à la fin de leur mandat ne peuvent pas légiférer. Et que pendant cette période, c'est le gouvernement qui peut légiférer en prenant par ordonnance des décisions qui relèvent de la loi. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est que vous savez, le droit, c'est ça, hein, on essaie toujours de trouver des failles. Là, c'est qu'on trouve les failles par rapport à ça. Voilà, je suis de ceux-là qui pensent que on ne devrait pas faire des discours dans le vide, mais se baser sur ce que les textes disent. Et si nous sommes d'accord sur ce plan, ça voudrait dire que ceux-là qui ont proposé ne sont pas hors de la loi. Ils sont donc dans le bon chemin. Non, malheureusement, ils ne sont pas hors de la loi, malheureusement. Voilà. Maintenant, si cela est acquis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis si cela est acquis, si c'est le fait est qu'ils ne sont pas hors de la loi. Au lieu de perdre le temps que les gens se mettent à discuter, moi je dis que si tu es menuisier, moi je me dis par exemple que je suis cordonnier, mais quel que soit le régime, je dis ça souvent, ça fait rire les amis, régime escargot, caméléon ou quoi que ce soit, tu seras toujours cordonnier. Quelle que soit l'activité que tu feras, tu le seras. Maintenant, pourquoi la classe politique ne pourrait pas se réunir, trouver ce qui n'est pas bon là-dedans, discuter autour? Si on trouve à la fin qu'il n'y a rien de bon dedans, on rejette. S'il y a quelque chose à corriger, on corrige. Qu'est-ce qui bloque? Okay. Pourquoi est-ce que les discussions sont fixées? Voilà. Je crois que vous avez compris ma pensée. Une fois que je vous réponds, on va passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Je crois tout simplement que si le président a décidé de ramener le texte, c'est que lui-même il sait que ça bloque quelque part. Donc maintenant, le problème, c'est que ce n'est plus à l'Assemblée nationale de faire les discussions, puisque le bureau, par exemple, de l'Assemblée nationale ne peut discuter qu'avec les députés qui sont actuellement en place. Je pense qu'il faut mettre plutôt en place une autre ronde peut-être de dialogue pour voir si vraiment ce texte-là vaut la peine. Mais ce que nous proposons, c'est que ça crée tellement de problèmes que le mieux, c'est de l'abandonner, aller aux élections. Et après, on peut recommencer la question de savoir s'il faut une nouvelle constitution ou pas. Voilà. Bonsoir, monsieur Leroy. Il y a la possibilité de discuter de ça, mais bon, on pourra le voir après. Merci. Bonsoir, honorable. Oui, David, me laisse un peu parler. D'accord. Bonsoir. D'accord. Ok. Bonsoir, honorable. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aime votre débat. Le problème, c'est que vous êtes tombé dans un piège qu'on vous a tendu. Pourquoi je vous dis ainsi? Dites-moi. Au moment où l'Assemblée qui est là a accepté, discuté et jusqu'à proposer à ce que les nouveaux députés qui viendront seront 113. Vous avez déjà ouvert une faille pour le parti unir. Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est là-bas le problème à quoi. Voilà, c'est oui, mais on pourrait faire quoi? Et ils ont profité de cette situation. Oui. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, ils attendaient, mais vous n'avez pas su venir, vous n'avez pas su. Oui, mais vous êtes le problème, de temps sans le savoir. C'est le problème qui se passe au Togo. Les gens allaient faire quoi? S'ils refusent, c'est boycotter. Et on a vu les effets du boycott. Voilà. Voilà. Maintenant, moi, ma question est de savoir, et selon les rumeurs, paraît-il que les députés ont voté par procuration? Est-il vrai? Oui, il y a des députés qui ont voté par procuration. Et puis, de toute façon, le truc qui est passé à la TVT, vous avez vu que tous les députés n'étaient pas là. Il y a des députés qui ont voté par procuration. Bon, c'est pas 50 comme Ferdinand était le dit. Je pense, dans la salle, il y avait autour de 110 personnes, peut-être plus ou moins 3 ou 4. Mais oui, il y a des députés qui ont voté par procuration. Ça, je ne peux pas mentir. J'ai été dans la salle jusqu'à la fin. Oui, il y a des députés qui ont voté par procuration.
Voilà. Mais vous ne voyez pas que ben, les députés que vous représentez, qui vous nous représentez à l'Assemblée, avec l'envergure d'un tel projet, est-il bon à ce que les députés puissent voter par procuration? Qu'est-ce qui urge à ce que ce texte puisse passer? Un député, par exemple, qui est malade, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ben, s'il donne sa procuration, c'est prévu par le règlement intérieur. S'il donne ta procuration, ben, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On a toujours fait plein de votes qui ont été faits. Il y a des votes par procuration. Ça ne remet pas en cause si la personne, c'est un peu comme lors des élections. Il y a les élections, le vote par procuration. On part du principe que quelqu'un qui est absent du pays, quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas venir, il peut quand même, c'est l'expression même de la démocratie, il peut quand même donner procuration à quelqu'un pour voter à sa place. Et s'il vous plaît, monsieur Lavini, vous pouvez nous laisser, oui, si on va parler. Je pose la dernière question, je sors pour que... Votre dernière question, et puis je vais vous sortir de l'affaire d'ailleurs. Oui. D'accord. Ma question est de savoir... Quelle est cette constitution qui est très importante pour le régime, à ce qu'on passe par tous les moyens pour le faire accepter par le peuple? Là, on a les élections de tour, et puis subitement, patatras, on vote une constitution qui n'existe dans aucun État francophone. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui arrive. Donc oui, je suis dans la même inquiétude que vous. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Bon, je prends, donne-moi la parole. Non. Ok, non. Je vous donne la parole. Vous venez d'arriver là. Bonsoir, honorable. Calme, j'étais là avant vous. Ok, allez-y. Donnez à Elliot. Elie était là avant, s'il vous plaît. Merci, d'accord. Merci. Cher honorable ami Jerry, dis-moi... Oui, Elliot, comment tu vas? Je vais bien et toi, ça va. Ah, ça va pas que c'est toi, comment tu vas? Je vais bien, c'est moi. Dis-moi, l'article 59 de la Constitution que vous avez touché le dit implicitement que le mot du scrutin de l'élection du président de la République ne peut qu'être modifié que par voie référendaire. Bien sûr. Vous l'avez zappé dans la lecture ou quoi, vous? Non, Elliot, tu me connais, on se connaît depuis une dizaine d'années. Ça fait partie des combats. Là où je suis, si le texte arrive à terme, peut-être que, puisque je suis président du groupe parlementaire, je saisirai certainement la Cour constitutionnelle par rapport à ça. Parce que c'est nous qui avons mis ce verrou-là en 2019, ça n'existait pas dans la Constitution originelle. C'est nous qui avons mis le truc, c'est le deuxième alinéa de l'article 59, qui dit « ces dispositions ne peuvent être modifiées que par voie référendaire ». Donc logiquement, on peut monter, descendre, cette constitution-là ne peut passer que par voie référendaire. Là, tu parles à un convaincu. Je suis d'accord avec toi. J'ai été l'un de ceux qui ont introduit cette disposition. Donc oui, bien sûr que normalement, on ne peut pas faire de révision constitutionnelle sans passer par voie référendaire, puisque toutes les nouvelles dispositions, la nouvelle constitution, remettent en cause les dispositions de l'article 59. Donc, toi et moi, nous parlons le même langage. D'accord, j'avais pas compris, mais je me disais que, justement, c'est pour ça que je dis, tu as mal fait de ne pas parler, tu étais resté dans un silence où on comprenait rien. Ah, les gens disent que c'est moi qui ai voté pour tout, là, que je dis quoi. Je me dis, mais toi, tu peux pas être dans cette salle et ce truc-là, tu pourras le louper. C'est pas possible. Non, ça fait pas. Au fait, les débats en commission restent off. Vous avez remarqué que je ne suis pas rentré dans les débats en plénière parce que, honnêtement, ça me saoulait. Mais les débats en commission, ça a été long. C'est pour ça que je dis, on a fait 3 jours quand même en débat en commission. Et tout ce que vous dites, oui, ça fait partie des sujets qu'on a soulevés. C'est, si on fait une nouvelle constitution, il faut absolument qu'elle passe par voie référendaire. D'accord. Ok. On est bon maintenant? Non, mais c'est bon, on est bon. Allez. Ok. D'accord. On peut prendre le suivant? Oui. Bonsoir, okay. Honorable. Bonsoir. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. C'est ce que nous voulons d'ailleurs dans ce pays, nous donner l'opportunité de donner aussi nos avis par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et si la présidence de la République, si la présidence pouvait organiser ce genre de trucs sur TikTok, lancer des directs, et nous allons venir aussi nous exprimer. Je pense qu'ils vont tenir compte de nos inquiétudes. Vous savez que notre président n'est pas beaucoup. Bon, j'aimerais vous poser juste 3 questions. Je vous écoute. Il faut que je prenne un carnet pour noter, parce que ça fait beaucoup de questions. Oui, allez-y. Oui. Quand nous restons en communauté, d'après les discussions, d'après les sondages, les gens disent que le net, c'est
eux qui gâtent les complots de l'opposition. C'est-à-dire que quand l'opposition décide de faire quelque chose pour faire mal au pouvoir, de boycotter, et le net se tire du lot pour aller quand même, comme l'exemple de la Constitution, vous êtes parti pour voter. Normalement, il fallait boycotter pour exprimer réellement que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe. Parce que si vous avez participé, la communauté internationale va se dire que bon, il y a quand même certains partis de l'opposition qui ont assisté, alors qu'il fallait refuser catégoriquement et seuls les députés de Unir vont voter. Et là, on saura que c'est seuls les députés de Unir qui ont voté ça. Mais pourquoi vous avez participé? Et c'est ce que les gens disent, que c'est comme si le pouvoir vous appuie dans l'ombre pour que vous puissiez déjouer les complots de l'opposition. Et okay, la deuxième question... Oui, ma deuxième question est, j'aurais appris qu'ils ont partagé, les députés qui ont voté, 40 millions, 40 millions. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces primes de vote que vous avez participé, juste pour profiter un peu? Ok. Voici. Votre troisième question? Alors, les deux questions me suffisent. Ok, bon, je vais essayer de reprendre rapidement pour passer à quelqu'un d'autre. Vous savez, moi, depuis que je suis rentré en politique, je vais reprendre rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Depuis que je suis rentré en politique, j'ai eu tout. On a dit, depuis quand un militaire fait opposant, on a dit, de toute façon, Jerry Tama, il est sa maman est de Pierre, donc c'est forcément un garde fort. On a dit, Jerry Tama, il est de Siou, c'est le petit frère de Kabouara, donc c'est forcément. Et donc, chaque fois que nous avons fait des regroupements, on avait toujours ça. Je me souviens, on m'a traité de taupe, on a traité de... Enfin, j'ai eu toutes les expressions possibles. Et c'est justement pour ça même qu'en 2014, on a dit, on quitte les regroupements. Parce que chaque fois, on dit, c'est nous qui trahissons, donc on va quitter. On va être tout seul. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2014. On a fait... depuis 2014, on a dit, on ne rentre plus dans aucun regroupement. C'est justement pour éviter ça qu'on dise, ah, c'est toujours eux qui font échouer. Premier élément. Deuxième élément, je vais vous poser une question. Vous parlez du vote à l'Assemblée nationale. Imaginez que nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. Et qu'après, on vient dire que le net a envoyé pour trois populations. De vous à moi. On se regarde dans les yeux, là. Si on sort de là en disant qu'on n'a pas envoyé procuration, vous n'avez pas dit que le net est en train de mentir encore. Vous êtes le président du parti, oui, mais si on ne vient pas. Et après, on vient présenter des procurations en disant que le net a envoyé des procurations. Est-ce que vous n'allez pas croire? Avant le vote, si vous faisiez une sortie, vous, si vous donnez déjà votre position avant le vote, là, tout le monde sait que avant... C'est ce que nous avons fait, cher monsieur. Mais c'est ce que nous avons fait, cher monsieur. Nous avons dit, avant, c'est à 10h que j'ai publié en disant le net ne votera pas ce texte. Nous avons dit à 10h, le net ne votera pas ce texte. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas la magie qui s'est passée. On prendra des dispositions, rassurez-vous. Mais ce n'est pas la magie qui s'est passée qui fait que les gens te disent, nous on sait qu'on a voté contre. Des gens me présentent comme des preuves visuelles. Mais bah, on n'a pas vu tous ces comptes-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois en mes députés. Parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis avec eux à l'Assemblée nationale, ils ne m'ont jamais fait de faux pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'en sais rien du tout. On n'a pas vu venir, on n'a peut-être été pas vigilant, mais j'en sais rien. Mais je crois en eux, je crois en leur fidélité, je crois en leur parole. Voilà. Maintenant, vous savez, la politique de la chaise vide, ça n'a rien aidé. Si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, si nous avions eu 20 députés à l'Assemblée nationale, cette modification ne passerait pas. Si nous avions eu 20 députés, c'est parce que une partie de la classe politique a boycotté, je ne les en veux pas. Mais c'est ça qui nous amène là où nous sommes. Si en 2002, en 2000, l'opposition avait participé aux élections, attendez que je finisse, s'il vous plaît. Si l'opposition avait participé aux élections en 2000, on n'aurait pas fait la révision constitutionnelle de 2002. Donc c'est vrai que parfois on n'a pas envie de participer, mais quand on met les deux sur la balance, il vaut mieux participer que de ne pas participer. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pas si elle répondait à vos questions. Allô? Une dernière question. Est-ce que vous croyez en 2030? Est-ce que vous croyez en 2030? Bah, ils disent qu'ils veulent enlever 2030 et ils ont la majorité. Comment est-ce que je peux faire? S'ils veulent modifier cette loi-là et enlever les élections présidentielles, ils peuvent l'enlever. C'est justement pour cela qu'il fallait faire pression. Il fallait faire quoi? Ok, d'accord, je descends. Merci. Je descends, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup, honorable. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, comme ça me permet de savoir à qui je passe, s'il vous plaît.
Bonsoir, l'honorable. Je suis Midongui Koku. OK. Je vous aime bien et j'ai trois questions. S'il vous plaît, faites une pause, s'il vous plaît, parce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Les fameux 40 D'accord. millions. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on nous a donné 40 millions. Bon, honnêtement, moi, je n'ai pas vu la couleur de cet argent. Peut-être qu'on a donné pour moi, c'est resté quelque part, j'en sais rien du tout. Mais je peux vous assurer que ni mes députés n'ont reçu 40 millions. Mais je répète encore, c'est facile. On a le test qui revient. Ben, celui qui a reçu les 440 béton, il va falloir qu'il aille voter contre. Et qu'il aille voter pour. C'est là où on va l'arrêter. Parce que si tu as reçu l'argent, il va falloir que tu reviennes voter pour. Puisque le test, il revient à l'Assemblée. Donc, on verra. Moi, j'ai pas vu, les 40 millions. Mais bon, ben, si quelqu'un a pris les 40 millions, il sera obligé de le voter pour à la prochaine élection. Voilà. Monsieur Midori, je vous écoute. D'accord. Je suis avant tout écrivain et entrepreneur et j'ai trois questions pour vous. Ok. La première, c'est au Togo, nous sommes dans un système démocratique et la démocratie, tout le monde a le pouvoir ou bien la libre d'expression. Mais on remarque qu'au Togo, il n'y a pas cette libre d'expression où une fois que vous critiquez que ce soit le gouvernement ou les partis en opposition, il y a de tas de questions et parfois ça aboutit aux emprisonnements. En tant que député, un député qui est censé défendre le peuple, qui est censé, défendre le peuple, pourquoi vous ne discutez pas ces propos au Parlement? Pourquoi? J'aimerais le savoir. Non. Vous savez, moi par exemple, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous savez que j'ai... Je parle facilement, je dis les choses telles qu'elles sont, j'ai une liberté de ton. Il y a, je le déplore, aujourd'hui, j'entends qu'on a arrêté neuf membres de l'opposition, j'appelle d'ailleurs qu'on les libère le plus rapidement possible. Mais je pense que au Togo, même si on a quand même une régression en termes de liberté, et la liberté d'expression quand même existe encore, la presse elle s'exprime, il y a de temps en temps des dérapages, les acteurs politiques s'expriment, moi je peux vous dire que je m'exprime en toute liberté, on peut mieux faire, on doit pouvoir mieux faire, mais je considère que nous avons quand même une certaine liberté d'expression au Togo. La preuve c'est que vous parlez sur TikTok et on ne va pas venir vous arrêter. Mais il y a plusieurs qui se sont arrêtés. Oui, mais c'est pour ça que je dis que nous luttons pour que... Aujourd'hui, vous savez, nous avons fait le CNAP en 2021 où on parlait des prisonniers politiques. Ben, vous avez deux types de prisonniers politiques. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de leur activité politique. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans d'autres cadres alors qu'ils avaient des engagements politiques. Mais à l'époque, en 2021, on avait fait libérer un certain nombre de personnes. Malheureusement, c'est que parfois, vous libérez les gens et puis on remet d'autres personnes en prison. Donc, c'est très difficile. Ok, d'accord. Oui, deuxième question. Ma deuxième question. Au Togo également, nous avons plusieurs partis politiques, mais nous ne sommes que 8 millions. Ne serait-ce pas bon que vous s'unissiez pour former un seul parti puissant, comme on le regarde ou on le voit ailleurs, pour pouvoir faire face à l'envahisseur, pour pouvoir avoir un résultat, puisque depuis des décennies... Vous savez, je vais le penser assez rapidement. Pardon? Je vais vous répondre rapidement, je comprends la question. On a eu beaucoup de fois où on a fait de l'union de l'opposition, ça ne marche pas, parce que nous-mêmes, leaders de l'opposition, chacun veut être président. Donc, chacun veut être président. Donc, chaque fois qu'on essaie de s'unir, il y a quelqu'un qui pense que vous êtes tous pour moi, et puis après, ça se casse. C'est pour ça que nous, on a décidé de ne plus être dans le regroupement. Mais contrairement à ce que vous pensez, même dans les pays où... S'il vous plaît, je vais finir. Contrairement à ce que vous pensez, même dans les pays où on pense qu'on a deux grands partis, il y a énormément de sous-partis. Il y a aux États-Unis, il y a plus de 500 partis. On connaît peut-être que les républicains et les démocrates, mais il y a énormément de partis. Et en France, c'est pareil, il y a énormément de sous-partis. Donc, il n'y a pas de pays. Même en Angleterre, on a l'impression qu'il n'y a que deux grandes formations, il y a énormément de sous-partis. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'opposition aujourd'hui n'a pas les moyens de son action. C'est ça. Nous sommes pauvres, il faut dire la vérité. On n'a pas l'argent. Nous sommes en train de parler d'élections aujourd'hui. Le parti au pouvoir va te mettre même peut-être 1 ou 2 milliards, là où nous ne sommes même pas en mesure de mettre 20 millions pour faire la campagne. Dans un pays où les gens souffrent enfin, la chose est vite dit. Mais posez rapidement votre troisième question parce qu'ils sont nombreux à attendre, s'il vous plaît. Dorénavant, on n'aura qu'une question par personne pour faire avancer le débat, s'il vous plaît.
D'accord. La troisième, c'est que vous venez même de dire que ce pays, il est pour les députés et autres, là, sont pauvres. Maintenant, mais on sait que le pays, il regorge beaucoup de ressources minières et bien d'autres. Le port là-bas, il y a des milliards qui s'en sortent. L'OTF fait des 700 milliards par an. Il y a plus nos phosphates et tout. Donc, ce pays, il est richement béni. Mais pourquoi ou bien comment se fait la gestion des ressources de notre nation? Est-ce que vous en discutez au Parlement? J'aimerais savoir, puisque aujourd'hui, tous les jeunes cherchent à quitter le pays, mais nous avons tout ici. Comment se fait la gestion? On a un problème de gouvernance. Depuis 20 ans, on n'a quasiment attrapé personne pour des questions de détournement de fonds, alors que tous les jours, on a des questions de détournement de fonds partout. C'est le vrai problème qu'on a. On a un problème de gouvernance, on a un problème de lutte contre la corruption. Donc, tant qu'on ne règle pas ça, on ne réglera pas les autres problèmes sous la chambre. On a, la gouvernance au Togo souffre de l'impunité, c'est tout. Tant qu'on ne règle pas le problème de l'impunité, on ne peut rien faire. Ok, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre ainsi dessus, s'il vous plaît. Oui, mais ma question n'est pas répondue. Est-ce que vous en discutez au Parlement? C'est ce que j'aimerais savoir. Vous c'est un sujet qui est abordé au Parlement. C'est un sujet qui est abordé chaque fois que nous adoptons le budget et on nous dit on va faire mieux l'année prochaine. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de règlement à l'Assemblée nationale. Au fait, quand vous finissez l'exercice d'un budget, il faut que la Cour des comptes puisse envoyer des éléments au niveau de la Commission des finances pour auditer un peu la façon dont le budget a été géré. Nous sommes en 2024, on n'a pas encore fait la loi de règlement de 2021. Vous comprenez? Ça veut dire que pour le moment, l'Assemblée nationale n'a pas encore audité les comptes de 2021. Comment est-ce que vous arrivez à régler les problèmes de gouvernance avec ça? C'est ça le vrai problème. Donc l'Assemblée nationale, enfin nous, peut-être, je vais dire moi, on essaye, peut-être qu'on est encore trop peu nombreux, mais ça n'avance pas. Il n'y a pas une vraie volonté politique derrière. Vous pouvez descendre pour que quelqu'un d'autre prenne la relais, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ok, merci. Non, je pense que c'est à mon tour. Monsieur Stone, vous ferez mieux de patienter un peu. Monsieur Elias Tosu, je prends toujours par ordre, donc monsieur Elias Tosu. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir, monsieur Diéry. Oui, bonsoir. Moi, je ne vais pas vous poser de questions. Je vais juste vous dire merci. Je suis très petit par rapport à votre endroit sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez remarqué mon profil. Des fois, vous me bloquez, vous me débloquez. J'aime ça. J'aime cette passion de l'interdit. Moi, j'aurais aimé que tous les députés, surtout les députés, tous ceux qui sont acteurs dans la vie et publique et politique de ce pays, arrivent à faire comme vous. On verra un grand changement dans la gestion de ce pays. Et maintenant, vous allez m'excuser, et je vais venir à ceux qui mettent des commentaires bizarres. Vous savez, ce n'est pas un auto-politique de changer quelque chose, comment on appelle ça, dans ce pays. Les votes, c'est nous qui allons voter. Quand on parle des municipaux, quand on parle des législatives, c'est nous qui allons voter. Et je veux nous rappeler, nous, Togolais, que beaucoup d'entre nous sommes trop hypocrites. Nous sommes trop dans l'hypocrisie. Ne rejetons pas la faute sur, comme on appelle ça, les personnalités politiques. Et surtout, ceux qui aiment interagir avec nous. Je vais revenir, par exemple, au parcours de M. Diéry. Aller des fois sur ce que la personne fait. Moi, honnêtement, sur le plan social, je n'ai rien à vous reprocher sur, votre mandat en tant que député. Sur le plan social, je n'ai rien à vous reprocher. Parce que moi aussi, je viens de là-bas, je viens d'un village, je viens d'une préfecture, et je vois ceux qui ont occupé le même poste que vous, ce que eux aussi ils ont réussi à faire là-bas. Et en réalité, ils n'ont rien fait. Ils ont réussi à se faire élire et prendre des salaires. Voilà, de rien. Ce qui concerne la Constitution, honnêtement, ça n'a pas sa raison d'être. Il faut qu'on dise la vérité au gouvernement actuel, au gouvernant actuel, qu'en réalité, cette constitution n'a pas de raison. Et il faut qu'on soit direct et qu'on dise la vérité, que c'est pour perpétuer, comme on appelle ça, un parti au pouvoir. Quelque chose a été déjà fait. Et en 2015,
il y a eu, comme on appelle, une modification, comme vous l'avez dit, en 2020 ou bien 2019, il y a eu une modification qui limitait les mandats et qui n'a pas été mise en application. Quelque chose qui n'a pas été mise en application, maintenant on vient avec un nouveau truc. Donc, en réalité, on peut dire que, mais ils sont en train de faire des trucs, mais pour les arranger seulement, c'est pour perpétuer le pouvoir. Malheureusement. Donc, il faut que les Togolais comprennent ça, que c'est pour perpétuer seulement le pouvoir. Donc, et le débat même n'a pas lieu d'être. Il faut que les gens se lèvent et disent, hein, honnêtement, face à face, à ceux-là que. Non. Les gars, c'est la première partie de cette vidéo. On va faire la vidéo en deux parties puisque nous venons de finir les 40 minutes. Donc, nous allons mettre la deuxième partie de cette vidéo sur une nouvelle vidéo, les gars. Donc, mettez vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que l'honorable directement vient de dire, les gars? C'est dommage. La deuxième partie de la vidéo va vous choquer puisque c'est dommage qu'on peut dire il a dit quand nous votons, on dit il y a la non-transparence au niveau du peuple. Qui nous a dit que ça ne peut pas se produire au niveau de l'Assemblée? Moi, j'ai été choqué d'entendre ça auprès de l'honorable directement que ces députés ont voté contre. Et au dépouillement, ça a donné autre chose. Comment est-ce que quelqu'un peut montrer des preuves physiques? C'est dommage, quoi, les gars. C'est compliqué pour nous dans ce pays. Et vous savez, on apprécie beaucoup, la jeunesse apprécie beaucoup l'honorable Guiri Tama. Il est proche de la jeunesse. Il en parle. Il y a des sujets, il en parle. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il révèle à la population. Et on était déçus des votes. Parce qu'on se dit, non, comment est-ce qu'il peut nous blaguer sur le net? Comment est-ce qu'il peut nous blaguer sur le net qu'il est contre la modification de la Constitution? Et à notre grande surprise, ces députés ont voté pour. Et aujourd'hui, pour sortir son nom de la boue, il a parlé et il a mis beaucoup de choses au clair, les gars. La deuxième partie va vous choquer. Et la deuxième partie, c'est dans quelques secondes. Voici la suite de la vidéo. Pour ça, je vous demande simplement de vous abonner. Maintenant, revenez, regardez la deuxième partie de cette vidéo. Les gars, merci beaucoup pour l'encouragement, pour la force. Et on se capte après la vidéo, les gars.